Bonjour, bonjour. Alors, je vous salue à l'ancienne. D'ailleurs, je fais une spéciale dédicace à Pierre Adam pour ça. Mais ne vous y habituez pas trop, je ne savais simplement pas comment commencer cette vidéo. En fait, c'est la suite d'une autre sortie il y a 2 semaines, qui traite, comme son nom l'indique, d'une histoire d'amour, enfin si on peut appeler ça comme ça, entre deux intellectuels du Moyen-Âge. C'est mieux de voir la première partie avant la seconde, parce que clairement je ne vais pas faire d'introduction plus longue, et vous risquez de ne pas trop comprendre en prenant le train en cours de route. Après, libre à vous de le faire aussi dans le sens inverse, seconde puis première partie, juste par esprit de rébellion, positionnement que je respecte totalement pour son originalité. En tout cas, nous nous étions arrêtés au moment où Abélard envoie son épouse au couvent, la forçant à tout sacrifier pour lui, pendant que ce dernier se la coule douce à enseigner dans son école. C'est cet acte, celui de faire disparaître Héloïse pour sa réputation, qui met Fulbert, soit l'oncle de l'adolescente, dans une rage folle. C'est réellement à ce moment-là qu'il décide de se venger. Alors accompagné de quelques amis, il se dirige un soir vers la maison du professeur. Il soudoie ses domestiques pour entrer et le surprend dans son sommeil, pour lui faire subir, je cite, « l'infâme et cruelle punition qui a rempli le monde d'un long étonnement », sans préciser de quoi il s'agit. Bien que plus tard dans sa lettre, il se compare à un eunuque. Oui, parce que je le rappelle, tous ces faits-là, c'est Abélard qui en parle dans une lettre à un ami, des années plus tard. Il a environ 50 ans quand il écrit ces lignes, et 38 lorsqu'il se fait émasculer. « Le lendemain, poursuit-il, mon aventure fut répandue dans toute la cité. Les habitants, plongés dans la stupeur d'un tel événement, accoururent en foule pour me voir. » Il me serait difficile, et même impossible, d'exprimer la véhémence de leurs lamentations, les clameurs dont ils me tourmentèrent, et le trouble que m'apportaient les cris de leur douleur. Bon, clairement, se faire émasculer, c'est vraiment pas terrible. C'est en général le châtiment qu'on réservait aux violeurs et auteurs d'adultère à cette époque. D'ailleurs, deux des coupables seront rattrapés par la suite, on leur crèvera les yeux, et on leur fera subir le même sort, soit quick zizi. Quant à Fulbert, de par son statut et son importance dans la cité, il ne sera que démis de ses fonctions pendant 2 ans, ce qui, je peux le comprendre, décevra beaucoup Abélard. D'ailleurs, ce dernier explique dans sa lettre que ce n'est qu'à ce moment-là qu'il commence à ressentir de la honte, à comprendre là où il avait péché et pourquoi il avait été puni. Mais ce qui le terrifie d'autant plus, c'est le regard qu'on porterait sur lui à l'avenir. Il serait pointé du doigt, comme un spectacle monstrueux. Enfin, le sentiment de mon état vint me couvrir de tant de confusion que, je l'avoue, ce fut plutôt la honte qu'un désir de conversion qui me précipita dans les solitudes du cloître. Il ajoute « Je voulus cependant, avant de me ravir au monde, lui enlever Héloïse, et, déférant volontiers à mon ordre, elle prit le voile et prononça les vœux éternels. Une fois de plus, c'est lui qui choisit pour elle, et c'est ainsi qu'elle se convertit totalement à la vie monastique. » Donc là, on entre dans la seconde phase de la vie d'Abélard, c'est-à-dire la vie religieuse. Et vous pourrez y chercher longtemps des mots ou des pensées pour Héloïse, parce qu'il n'y en aura pas, et ce pendant plus de 10 ans. Car oui, cet amour éternel était finalement pas du tout éternel. Mais revenons à son récit épique. Arrivé à l'abbaye de Saint-Denis, l'éclair se presse à son chevet pour lui demander de faire pour l'amour de Dieu ce qu'il avait fait jusqu'alors pour la gloire et l'argent, c'est lui qui dit ça. Lui qui ne s'était occupé que des riches doit maintenant se consacrer à l'éducation des pauvres, et enfin débarrassé des tentations de la chair, il peut se consacrer à devenir le vrai philosophe de Dieu, rien que ça. Mais quelque chose le gêne dans cette abbaye. Selon lui, les moines, et surtout l'abbé lui-même, sont un peu trop livrés à de scandaleuses obscénités. Clamant haut et fort son mécontentement face à tous ces désordres, il se fait détester de tous et chasser. Il se retrouve ainsi dans un autre monastère, à Deuil, dépendant de la première abbaye, et y ouvre une école qui voit rapidement accourir une multitude de disciples que les bâtiments ne sont pas assez grands pour les recevoir et que la terre ne suffit pas à tous les nourrir. Et encore une fois, les professeurs alentours se mettent à le détester, jaloux sans doute de sa trop grande influence. Ce qu'ils voulaient, c'était me faire interdire l'exercice de tout enseignement, et ils y poussaient sans relâche les évêques, les archevêques, les abbés, en un mot, toutes les personnes ayant un nom dans la hiérarchie ecclésiastique. Ce qu'il lui reproche, c'est d'enseigner sans avoir lui-même été l'étudiant d'un maître, mais aussi d'enseigner à la fois la théologie et la philosophie, c'est-à-dire les sciences divines et les sciences humaines. En fait, je sais que je me montre très critique vis-à-vis d'Abélard, parce que je pense sincèrement qu'humainement il était perfectible, et c'est peu dire. En revanche, effectivement, je lui reconnais des idées novatrices et originales pour son époque, et je suis même d'accord avec certaines de ses idées. Par exemple, il pense qu'il ne suffit pas qu'une action serve une bonne fin, elle doit aussi avoir été voulue pour cette raison. En gros, une action en tant que telle ne peut pas être appréciée sans l'intention d'où elle découle.
et je pense que c'est juste. Mais après, ça n'en reste pas moins une personne détestable. Bon, et de ses idées novatrices, il a écrit un traité de l'unité et de la trinité, où il explique qu'il n'y a pas besoin de vaines paroles, qu'on ne peut croire que ce que l'on a compris, et qu'il est ridicule de prêcher aux autres ce que l'on ne comprend pas soi-même, ce qui est à nouveau très juste. Et ses idées lui permettent de faire un pont avec la théologie, en ajoutant que le Seigneur lui-même condamne les aveugles qui conduisent les aveugles. Et ce traité comporte de nombreuses démonstrations de ce type qui résolvent les questions les plus difficiles, et plus la matière est grave, plus dans les solutions se montre la grande subtilité, dit-il. Ça fait envie, hein ? Un livre comme ça qui répond à toutes nos questions et qui nous apporte des solutions qu'on pensait inimaginables ? Eh bien sachez que vous ne pourrez pas le lire parce que les ennemis d'Abélard ont brûlé le seul et unique exemplaire. Oui, tout à fait, durant un concile, parce qu'il est inconcevable de lier philosophie et théologie. Et on le renvoie ensuite à Saint-Denis, soit le premier monastère où il s'était déjà fait pas mal d'ennemis. Par chance, la plupart sont déjà partis, mais il trouve à la place d'autres adversaires parce qu'Abélard est incapable de se laisser un peu oublier en silence. Ils se disputent, Abélard s'enfuit, et là vous me direz que l'histoire se répète un peu. Depuis toutes ces années, le professeur se fait des ennemis, se trouve obligé de fuir, ouvre une école, se refait des ennemis, fuit ailleurs dans une abbaye, mais se chamaille avec les autres, fuit, ouvre une école, etc., etc. Et là, normalement, après cette fuite, il devrait ouvrir une école. Mais non ! Abélard est un être surprenant. Il n'ouvre pas une école, non, mais une abbaye, en 1131. Eh ouais ! Bon, en réalité, il y a d'autres péripéties entre-temps, mais je vous les épargne parce qu'elles ne sont vraiment pas passionnantes. Bref, Abélard a un peu plus de 50 ans, on a brûlé son livre quand il en avait 42, il a connu Héloïse à 37 ans. Ah tiens, Héloïse d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle devient ? Alors, depuis toutes ces années, Abélard ne l'a pas revue, ne lui a pas écrit une seule lettre et ne l'a même pas nommée dans sa confession. Finalement, cet amour si pur et si profond n'a en fait duré qu'une à deux années, pas plus, et Abélard est totalement passé à autre chose. Et Héloïse est restée au couvent, attendant de ses nouvelles. Mais rassurez-vous, l'abbaye du Paraclet, celle créée par Abélard, finit par accueillir Héloïse et ses compagnes, car en effet, elles ont été chassées de leur ancien monastère et cherchaient en gros un endroit où s'installer. Et Abélard, en apprenant la nouvelle, s'est empressé de rejoindre son épouse pour lui faire don du Paraclet. Après, c'est pas pour autant que leur amour reprend du poil de la bête. En fait, Abélard est appelé à la tête d'un autre couvent, qu'il déteste, en Bretagne, et revient de temps en temps pendant deux ans. Après quoi, il subit encore d'autres persécutions, il arrête de venir à l'abbaye, meurt à 62-63 ans, et est aujourd'hui enterré au Père Lachaise, aux côtés d'Héloïse, selon le souhait de cette dernière. Voilà, c'était la belle histoire d'amour entre un professeur de 37 ans et son étudiante de 17 ans. Mais il y a un dernier point que je n'ai pas encore abordé, un point qu'on a souvent romantisé, les lettres d'amour enflammées échangées entre Héloïse et Abélard. Et si vous aviez encore un tout petit peu de foi en cette histoire, sachez que ces lettres vont terminer de vous refroidir. Comme je vous l'ai dit, Abélard n'a pas écrit à Héloïse pendant 10 à 12 ans. D'ailleurs, ce n'est pas lui qui la contacte en premier, c'est elle, car le hasard lui fait parvenir les confidences écrites par son époux à un ami, ce qui lui donne l'impulsion de correspondre à son tour. Et elle lui écrit notamment « Et si le nom d'épouse est plus saint et plus puissant, celui d'amante m'a toujours semblé plus doux, même, et ne t'en indigne pas, celui de concubine et de prostituée. Car en m'humiliant davantage, ta gloire se conservait plus grande. » Une fois de plus, elle pense vraiment à l'honneur et la réputation de son mari avant elle. Mais ce n'est pas tout. Dans la suite de sa lettre, elle se plaint d'avoir été oubliée et le supplie de lui envoyer au moins un petit mot, juste un petit SMS par pigeon voyageur pour lui dire que tout va bien. Puisque je suis frustrée de ta présence, que du moins l'affectueux langage d'une lettre, les mots te coûtent si peu, me rendent ta douce image. C'est beau, hein ? Car oui, ils se sont sans doute croisés au Paraclet durant ces quelques années, mais ils n'ont jamais été seuls, en tout cas Abélard n'en a jamais fait la demande. Eh bien sachez qu'à cette requête, Abélard répond froidement par une longue lettre pleine de sentences des livres saints. Il commence notamment par « Ce mutisme n'est pas dû à la négligence, mais à la très grande confiance que j'ai en ta sagesse. » Je n'ai pas cru que de tels secours te fussent nécessaires. » Et d'autres lettres sont envoyées par la suite. Abélard parle surtout de ses malheurs et demande à Héloïse de prier pour lui, et son épouse, toujours obéissante, toujours soumise, ne vit plus que comme Abélard l'a exigé, et meurt aux alentours de 72 ans sans n'avoir jamais revu ni son fils, ni son mari. C'est ainsi que s'achève l'histoire qu'on décrit comme celle de Roméo et Juliette français. Quant à leur enfant, Astralabe, il grandit sans ses parents, qu'il ne connaîtra jamais. Héloïse l'a confié lorsqu'il était encore bébé à la sœur d'Abélard, en Bretagne,
où il y a suivi une instruction religieuse. Il devient chanoine et décède à l'âge de 54 ans, après une vie relativement paisible. Et c'est ainsi que s'achève cette seconde partie de vidéo. J'espère qu'elle vous a rappelé combien l'amour c'est nul et décevant. Non, c'est faux. En revanche, il faut se méfier des histoires d'amour racontées par des intermédiaires qui ont tendance à les embellir et les amplifier pour leur donner une dimension épique, alors qu'en réalité, Héloïse aurait été probablement très malheureuse à vivre aux côtés d'Abélard. Au moins l'absence de ce dernier a pu nourrir l'imagination d'Héloïse, qui a sûrement conçu un Abélard idéal dans son esprit. J'espère en tout cas que c'était agréable à écouter, que vous avez appris des choses, et pour le reste je vous dis à bientôt !